J'accueille maintenant Monseigneur Jean-Charles Descubes, donc il a été archevêque de Rouen, professeur à l'Université catholique d'Angers, en particulier donc de théologie pastorale. Il est président de l'association Caritas Patrum. Donc c'est à ce double titre-là, même on pourrait dire le triple titre de professeur de théologie pastorale, j'aurais dû commencer par l'expérience aussi d'un évêque également, et puis au titre de la présidence de Caritas Patrum, et donc de cet habitus que vous avez pu prendre de cette articulation entre les réflexions sur l'Antiquité et puis leurs actualisations, que j'ai la joie de vous accueillir et de vous laisser donc la parole pour le sujet « La synodalité, un chemin de fraternité ». Merci bien. Effectivement, la tradition, entre guillemets, des colloques de La Rochelle, c'était de donner un écho à partir de la pratique actuelle au colloque scientifique qui avait précédé dans les deux jours précédents. C'est donc une invitation à faire un saut de 13 siècles. Voilà, c'est la pratique actuelle. Deuxième chose, et je crois que le père Nessel vient de le montrer, il y a une permanence des intuitions théologiques et ecclésiologiques. Mais, et c'est un petit peu le but de mon intervention, cela rejoint la question finale de Marie-Laure Chaïeb hier, quelles sont, je dirais, les questions que se posent les chrétiens autour du terme de synodalité? Car je pense que ce n'est pas du tout le même sens, même si je dis que c'est extrêmement important, ce que nous avons travaillé pendant ces deux jours et la manière dont résonne le thème de la synodalité dans le peuple chrétien. Dans le livre qu'il a écrit entre juin et août 2020 sur l'avenir post-Covid, le pape François estime que donner vigueur à l'ancienne pratique de la synodalité serait une chance non seulement pour l'Église, mais aussi pour le monde. Et dans ce discours que vous connaissez bien pour le 50e anniversaire de l'institution du synode des évêques, mis en place par le pape Paul VI, pour qu'une suite concrète soit donnée au Concile Vatican II, il déclarait déjà, c'était le 17 octobre 2015, le monde dans lequel nous vivons et que nous sommes invités à aimer et à servir, même dans ses contradictions, exige de l'Église le renforcement des synergies dans tous les domaines de sa mission. Le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l'Église du troisième millénaire. D'où, c'est l'invitation, le thème retenu pour la 16e Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques en 2023, pour une Église synodale, communion, participation et mission, et le dispositif mis en place pour sa préparation en trois phases, diocésaine, nationale et continentale. Un thème mobilisateur qui répondait à une attente. Et le cardinal Gretsch, secrétaire général du Synode des évêques, dans une lettre du 14 septembre dernier, informe les évêques du monde entier que 110 rapports sont arrivés des 114 conférences épiscopales et 12 des églises orientales et bien d'autres encore des instituts de vie consacrée, des mouvements laïques et d'autres groupes ecclésiaux. Mais deux questions, comment approcher la synodalité comme réalité ecclésiale, mais au sens
où on l'entend communément aujourd'hui, et peut-elle être un chemin de fraternité ? Approcher la réalité ecclésiale de la synodalité. Alors je pense qu'il y a des impasses à éviter ou des déviations. Je ne sais pas qui a écrit il y a un an environ, avec, pour l'Église catholique, avec le premier concile du Vatican, le 19e siècle a été pour l'Église le siècle de la primauté. Avec le second concile du Vatican, celui de la collégialité, le 21e sera celui de la synodalité. Mais cette présentation commode conduit, me semble-t-il, à une impasse. Elle donne l'impression, pour aujourd'hui, qu'il faudrait faire progressivement place et de manière descendante à de nouvelles problématiques sans remettre en question, sinon les organisations antérieures, du moins la manière dont elles fonctionnent. Alors, on y a fait allusion, le texte publié par la Commission théologique internationale le 2 mars 2018, la synodalité dans la vie et la mission de l'Église pourrait peut-être justifier cette présentation. Mais ce serait oublier que cette commission n'entend pas traiter de la synodalité en général, mais, c'est ainsi que le commente Laurent Camiat dans sa préface à la traduction française, mais des articulations renouvelées entre la participation de tous les membres du peuple de Dieu à la mission de l'Église et l'exercice de l'autorité des pasteurs. Je pense que Jean-François Chiron abordera directement le sujet, avec en particulier cette question qu'il faudra bien résoudre. Pourquoi utilise-t-on le même mot « sacerdoce » pour probablement deux réalités différentes ? Il importe, mais vous l'avez bien rappelé, il importe de s'inscrire dans la logique de la constitution Lumen Gentium du Second Concile du Vatican. Après son premier chapitre sur le mystère de l'Église et contrairement au schéma initial, le chapitre sur le peuple de Dieu précède le troisième chapitre, la constitution hiérarchique de l'Église et spécialement l'épiscopat. Un renversement de perspective, non seulement par rapport à l'ecclésiologie officielle de l'époque, mais aussi à une pratique actuelle, courante, qui reste cléricale et autoritaire, disent bien des catholiques. D'ailleurs, dans un discours aux fidèles du diocèse de Rome, le pape François affirmait le 18 septembre 2021 « Le thème de la synodalité n'est pas le chapitre d'un traité d'ecclésiologie, encore moins une mode, un slogan ou le nouveau terme à utiliser ou à exploiter dans nos rencontres. Non, la synodalité exprime la nature de l'Église, sa forme, son style, sa mission. C'est pourquoi nous parlons de l'Église synodale, en évitant toutefois de considérer qu'il s'agit d'un titre parmi d'autres, une façon de penser qui offre des alternatives. Et je ne dis pas cela seulement sur la base d'une opinion théologique, ni même d'une pensée personnelle, mais en suivant ce que nous pouvons considérer comme le premier et le plus important manuel d'ecclésiologie, qui est le livre des Actes des Apôtres. Voilà, me semble-t-il, qui rejoint, puisque nous sommes en France, des recommandations de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, invitant à reconnaître la responsabilité systémique de l'Église et, à ce titre, examiner les facteurs qui ont contribué à sa défaillance institutionnelle. Et la Commission considère qu'il convient de passer au crible la constitution hiérarchique de l'Église catholique au vu des tensions internes sur sa compréhension d'elle-même, entre communion et hiérarchie, entre succession apostolique et synodalité, et surtout entre l'affirmation de l'autorité des pasteurs
et la réalité des pratiques de terrain, de plus en plus influencées par des fonctionnements démocratiques. Et Hervé Le Grand, que l'on a cité, dit à propos de ce rapport, « Le problème n'est pas que moral, il est véritablement ecclésiologique. Il convient de la méconnaissance de la réalité théologique du peuple de Dieu, dont on ne reconnaît pas suffisamment la dignité baptismale et la qualité de temple de l'Esprit. » Et l'histoire, spécialement en Occident, nous enseigne que les réformes majeures dans l'Église se sont toujours traduites par de nouvelles organisations, même si elles doivent autant à une réaction face aux abus des autorités ecclésiastiques ou civiles qu'à la prise en compte des changements dans la société. À l'issue de la consultation organisée dans les diocèses de France, il ressort que les jeunes générations de catholiques y ont peu participé. La synodalité est en fait une pratique avant d'être un thème d'étude. C'est une manière de vivre en Église. Mais je souscrirai pourtant volontiers aux remarques de Philippe Portier et de Jean-Paul Willem. Après la sécularisation des promesses célestes en promesses terrestres, et sur les décombres de la raison triomphante, s'ouvre un espace-temps dans lequel le religieux peut retrouver une forme de crédibilité et même de performativité. Il ne s'agit nullement de restaurer les religions dans leur ancienne puissance, mais de leur ouvrir la possibilité de travailler de rechef dans le respect des règles de la sécularité à la fabrique du sens et du lien. Alors, brièvement, les fondements de la synodalité. Nous savons bien, l'Église se manifeste à la Pentecôte par une effusion de l'Esprit et une confession de foi, la prédication de Pierre, et selon une formule inspirée des recherches d'Yves-Marie Congar, elle permet à Jésus-Christ de poursuivre son œuvre dans les conditions historiques et concrètes qui sont celles de l'humanité. C'est bien le défi que l'Église a à relever aujourd'hui, servir l'Évangile de Dieu dans le monde. La priorité, c'est la mission. Alors, je vous renvoie sur cette mission commune à tous, à la première épître de Pierre. L'Église, oui, finalement, est avant tout un peuple qui a reçu une mission, habité d'une tradition vivante. Elle n'est pas, certes, pour autant une masse indifférenciée, mais hiérarchique, organisée depuis les temps des apôtres que Jésus a choisi. Et chacun y a sa place, selon la grâce qui lui est donnée, on a beaucoup parlé des charismes hier, et doit pouvoir y faire entendre sa voix. La synodalité est la forme historique du cheminement de l'Église. Et comme le disait le pape dans son discours à Rome, nous avons un exemple d'exercice de la synodalité dès la première génération chrétienne dans l'Assemblée de Jérusalem, mais les lettres de saint Paul nous montrent que si cette Assemblée a valeur de référence, les décisions prises ont eu du mal à s'imposer d'elle-même. Je renvoie en particulier à la lettre aux Galates. Alors, une brève description de la synodalité telle qu'elle est comprise par aujourd'hui ou qu'on cherche à la faire comprendre. Aucun fidèle du Christ ne peut se dérober à la mission d'Église ou s'en décharger sur d'autres. Donc, une solidarité mutuelle et chacun selon ses moyens, pour manifester que le monde où ils vivent est aimé de Dieu et construire une humanité toujours plus juste et fraternelle, dans laquelle, par grâce et selon le chemin mystérieux qui est le sien, chacune et chacun pourra se découvrir enfant de Dieu et frère et sœur. Certes, tout le monde ne fait pas tout et n'a pas à tout faire, mais tout le monde est acteur.
et la répartition des services et des responsabilités, chacun selon la grâce qu'il a reçue pour se mettre au service des uns des autres, ne décharge ni l'ensemble de la communauté, ni chacun en particulier, du souci de la mission entière. Mais, je dirais, cette diversité ne supprime pas ce qui est fondamental, je dirais, la dignité commune et l'égale égalité de tous. Le canon 208, qui reprend presque textuellement les enseignements du Second Concile du Vatican en Lumen Gentium, écrit « Entre tous les chrétiens, par leur génération dans le Christ, règne une authentique égalité, tant pour la dignité que pour l'action, par laquelle tous, selon leurs propres conditions et fonctions, coopèrent à l'édification du Christ. Tous les disciples du Christ sont responsables de la foi et de sa rectitude. Tous les disciples du Christ rendent un culte à Dieu par l'offrande de leur vie droite, et tous contribuent à la transformation du monde selon l'esprit de l'Évangile. » Je ne détaille pas, mais il s'ensuit, mais qui est peu explicité, je dirais, concrètement dans les églises diocésaines, il s'ensuit un certain nombre de droits et de devoirs pour les fidèles du Christ, hommes et femmes. C'est, on l'affirme, mais comment cela se traduit? Et finalement, on pourrait détailler, mais je dirais, c'est souvent peu explicité. Il me semble qu'il y a une double condition à respecter, l'écoute de l'autre et de l'Esprit Saint, les deux s'appelant l'une l'autre. L'Esprit, en effet, agit dans le peuple de Dieu et le cœur des croyants. La dernière intervention de... Une église synodale est une église de participation et de co-responsabilité qui se fonde sur le fait que tous les fidèles sont habilités à mettre au service des uns des autres les dons reçus de l'Esprit-Saint. Dans le document final du synode sur l'Amazonie, on peut lire « La synodalité marque une manière de vivre la communion et la participation dans les églises locales qui se caractérise par le respect de la dignité de tous les baptisés et baptisés ES, la complémentarité des charismes et des ministères, le goût de se réunir en assemblée pour discerner ensemble la voix de l'Esprit. » Donc, la première condition, c'est écouter l'Esprit Saint. Et cela se passe par le dialogue entre les chrétiens. Deuxième condition, un parti pris de dialogue avec le monde. Et ce dialogue ne doit pas être à sens unique, mais réciproque. Et telle a bien été l'intention du Second Concile du Vatican, précisant le rapport de l'Église au monde. Il y a droit naturellement beaucoup à l'intuition de Paul VI dans sa première encyclique, qui en a inspiré bien des textes. Il est intéressant de noter d'ailleurs que dans cette encyclique Ecclesiam Suam, Paul VI commence par le dialogue de l'Église avec le monde et diverses catégories sociales du monde avant d'aborder le dialogue entre les croyants puis entre chrétiens. C'est, me semble-t-il, l'enjeu des débats que suscite à l'heure actuelle le chemin synodal allemand. Mais parce qu'il respecte sa dignité et sa liberté, le dialogue ne vise pas à obtenir immédiatement la conversion et l'adhésion de l'interlocuteur. Il se caractérise par la clarté, la douceur, la confiance, la prudence. Dans le dialogue, écrit Paul VI, ainsi conduit, se réalise l'union de la vérité et de la charité, de l'intelligence et de l'amour. Car l'Église a à recevoir du monde.
d'ailleurs le pape François dans Evangelii Gaudium dit, elle ne peut faire l'économie de la rencontre respectueuse et humble des autres jusqu'à se laisser bousculer par des situations nouvelles, voire inédites. Marquant un tournant décisif dans l'élaboration de sa pensée sociale, le pape Jean XXIII invitait déjà l'Église à être désormais attentive aux signes des temps. Il en notait trois, dont l'un demeure combien pertinent actuellement, la promotion de la femme. La société moderne a ses incontournables dont il nous faut tenir compte, mais il faut bien dire que dans cette mise en œuvre de la synodalité de l'Église, il y a des résistances, alors qui peuvent être liées à des conceptions ecclésiologiques. La SIAZ en a relevé un certain nombre, en particulier le fait qu'on identifie trop la puissance sacramentelle avec le pouvoir. Une deuxième, qui est due probablement à la médiatisation de la société et de la culture, mais aussi à une certaine sacralisation du pouvoir exercé par les responsables, c'est une trop grande personnification de l'Église et des Églises. C'est l'Église, c'est le pape, les Églises, ce sont les évêques ou les curés. Et puis, un point, je pense, qui est important, au moins en France, c'est une certaine conception individualiste et élitiste de la vocation. Le cléricalisme naît, écrit le pape François, d'une vision élitiste et exclusive de la vocation qui interprète le ministère comme un pouvoir à exercer plutôt que comme un service gratuit et généreux à offrir. Il faut bien reconnaître qu'on appelle la pastorale des vocations, que finalement, dans la conscience de bien des catholiques, la vocation presbytérale, on dit la vocation sacerdotale, la vocation presbytérale est conçue comme un appel intime et direct de Dieu à devenir prêtre. Dans le langage courant, on dit un tel a la vocation. Alors, je dirais, la personne du prêtre est privilégiée au dépend d'une priorité à donner à son ministère pastoral. Or, si cette présentation est désormais courante, elle n'est pas traditionnelle. On peut se reporter à Hippolyte de Rome, mais encore, Pie X prend position justement contre cette conception individuelle de la vocation. D'ailleurs, dans le rite de l'ordination, que ce soit pour un diacre, pour un prêtre ou pour un évêque, cela commence par l'Église vous demande. C'est lié aussi à la pratique, c'est les résistances que l'on trouve à cette synodalité. Alors je noterai une certaine méconnaissance des mutations sociales et culturelles, c'est-à-dire on reste enfermé dans notre sphère. Et c'est vrai qu'il faut s'interroger sur la prise en compte du principe d'égalité et renforcer la présence des laïcs en général et des femmes en particulier dans toutes les sphères décisionnelles de l'Église. Et puis, il y a les résistances qui sont liées aux personnes. Crainte d'une perte de pouvoir, et puis, ce qui est normal, il y a toujours des réticences lorsqu'il y a des changements. Alors, il y a naturellement des voies d'espérance, je passe, parce que je vois que le temps tourne. Est-ce que, je dirais, une sorte de reprise en compte de ce que implique le terme de synodalité peut être un chemin de fraternité. La fraternité est une aspiration humaine. Régis Debray écrivait en 2009 « Cette vertu difficile et ambiguë, loin d'avoir son avenir derrière elle, pourrait bien devenir un moteur de modernité, voire même
elle n'est pas tendre, un tigre dans le moteur. Et puis, nous avons tous en mémoire l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais pour autant, la fraternité n'est pas un acquis de départ. Elle est une visée et une dynamique. Elle met en mouvement. La famille humaine est à rassembler par-delà toutes les déchirures et les violences qui la marquent. Alors, c'est une inspiration humaine. Il y a aussi un arrière-fond théologique, on l'a cité hier, mais effectivement, je renvoie aux travaux de Michel Dujarrier. Le mot fraternité, au sens de communauté de frères, est employé tout au long des trois premiers siècles pour désigner l'Église. Et il insiste en effet pour dire « parce que le Fils incarné nous a adoptés en sa fraternité, grâce à l'Esprit Saint reçu au baptême, nous sommes fils du Père. » Et cette fraternité, elle se construit par l'écoute et la parole. Alors, peut-on faire de la synodalité un chemin de fraternité? Eh bien, il faut prendre, donc, j'ai évoqué les qualités morales que notait Paul VI. On ne peut devenir soi-même que par les autres. C'est l'importance de la dernière lettre encyclique du pape François. Mais la mise en œuvre de la fraternité suppose l'échange avec autrui, la réciprocité des services, le dialogue avec ses frères. Au fond, il s'agit de pratiquer la culture de la rencontre. Le dialogue dépasse les frontières du monde chrétien. Celui qui n'est pas chrétien peut lui aussi apporter sa contribution dans une recherche commune de la vérité. Je vous renvoie en particulier à la déclaration d'Abu Dhabi du pape François et du grand imam d'Al-Azhar. Avec un passage obligé, entendre les pauvres. Par leurs besoins et leurs initiatives, les pauvres révèlent à chacun, à la société et à l'Église, ce qui est important et également ce qui est déviant. Dieu parle par la voix ou le silence des pauvres. Et la règle pour construire cette fraternité, c'est décider en consultant. Lorsqu'on dit d'ailleurs d'une instance ecclésiale qu'elle est consultative, on n'entend pas la déprécier, ni considérer a priori ses avis comme sans importance. C'est au contraire le moyen que l'Église a trouvé pour vérifier que dans son organisation, elle sert l'action de l'Esprit-Saint dans le peuple de Dieu au service de la mission qu'il doit accomplir pour le salut du monde, des femmes et des hommes qui l'habitent et le font. Certes, l'Église dispose d'un ministère particulier, le ministère pastoral, auquel il appartient de porter un jugement sur l'authenticité et le bon usage des dons que tous ont reçus au service des autres, mais il ne saurait être exercé d'une manière solitaire. Le Code de droit canonique utilise fréquemment la formule « après avoir entendu, après avoir consulté ». Et donc, décider en consultant, et cela passe par la délibération, qui est un passage obligé pour arriver à une décision fraternelle. Il faut un climat de confiance, il faut le temps d'écouter. On le note rarement, mais à l'Assemblée de Jérusalem, il y a un temps de silence avant. Et il faut proposer sans crainte d'innover, il faut accepter la confrontation et la négociation. L'histoire nous apprend que la négociation est la pratique dans l'Église quand elle veut être fidèle à sa mission, et cela est vrai même, et peut-être d'abord, pour les décisions dogmatiques des conciles. Et la règle n'est pas d'obtenir une majorité, mais de tendre vers l'unanimité, car c'est ainsi que l'on aboutira à la communion, c'est-à-dire à un consensus qui veille à ce que toute part de la vérité soit prise en compte. Alors je conclus. La synodalité permet à l'Église de vivre
en conformité avec l'évangile qu'elle annonce. La synodalité met en œuvre une participation effective de tous pour que tous fassent de l'Église l'affaire de tous. Une synodalité qui entend les plus pauvres et marche à leur pas permet de n'oublier personne. Elle rend attentive à ce que l'Esprit dit aujourd'hui. Et la synodalité se fonde sur cette conviction que tous ont à recevoir de tous et à donner à tous, y compris de celles et de ceux qui ne partagent pas la foi de l'Église. Par ces pratiques de consultation, d'écoute, de réflexion, de délibération, de décision, la synodalité ouvre des perspectives d'espérance et de fraternité aux sociétés pour une meilleure promotion et un plus grand respect de la dignité de toute personne humaine. Dans une société sécularisée et pluraliste, la recherche responsable de la vérité se mène à plusieurs, les uns exposant aux autres la vérité qu'ils ont trouvée ou pensent avoir trouvée, afin de s'aider mutuellement dans la quête de la vérité, écrit le Second Concile du Vatican dans Dignitatis Humanae. Ainsi l'Église, toute l'Église, participe avec d'autres à la conscience critique mais bienveillante de l'humanité, apportant sa contribution à la construction de sa fraternité. Je vous remercie.